Magazine multiculturel Carrefour. Dans cette nouvelle émission, nous allons vous parler du dialogue interreligieux, une occasion pour découvrir de nouvelles cultures et religions qui habitent dans notre pays. Depuis des siècles, la Suisse évolue dans un contexte chrétien, partagé entre l'Église catholique et l'Église réformée. Dès les années 60, les flux migratoires transforment ce panorama religieux, créant ainsi un pluralisme religieux qui est sans doute une des richesses de notre pays et qui nous oblige à nous poser la question du dialogue entre religions. Aujourd'hui, les 79% de la population se déclarent des confessions chrétiennes, alors que les 4% se déclarent des confessions musulmanes, les 0,4% hindouistes, les 0,3% bouddhistes et les 0,2% juifs. Malheureusement, l'image médiatique de certaines religions véhicule des stéréotypes et des préjugés qui nuisent la bonne entente entre les différentes confessions, alors que nous allons voir que dans la vie quotidienne, la cohabitation harmonieuse est possible. Dans cette émission, nous vous présenterons quelques exemples d'échanges interreligieux, comme c'est le cas aujourd'hui ici au marché de Lausanne, où les groupes musulmans et chrétiens pour le dialogue et l'amitié invitent la population à participer à ce dialogue interreligieux. Regardez avec nous quelques témoignages des femmes et des hommes qui ont partagé avec nous leur expérience d'échanges interreligieux. Nous nous trouvons ici au marché de Lausanne avec les groupes musulmans et chrétiens pour le dialogue et l'amitié. Ce groupe est né en 2001, donc c'est un groupe qui rapproche des chrétiens et des musulmans qui sont actifs dans des paroisses, des centres islamiques. Et notre groupe œuvre justement pour rapprocher des gens qui sont dans les quartiers, qui se croisent, qui se côtoient, mais qui ne se connaissent pas. Et nous, notre rôle, c'est de les mettre ensemble et de les rapprocher. Sa foi est justement, et ce groupe s'appelle pour les dialogues et l'amitié. Est-ce qu'il y en a de l'amitié entre les musulmans et les chrétiens ? On a ajouté ce nom d'amitié parce que notre relation n'est pas seulement une relation où on se retrouve juste pour des réunions et pour travailler ensemble, mais il y a d'autres liens qui se sont noués à travers les années. Et c'est une amitié finalement. Et on se retrouve même dans d'autres travaux, dans d'autres choses. On fait d'autres choses ensemble, donc à part ce travail dans ce groupe. Comment vivez-vous votre religion ici en Suisse ? Moi, je ne trouve pas beaucoup de différence de point de vue de la pratique. C'est vrai, être dans un pays musulman où la majorité des gens autour de moi sont musulmans, c'est différent de se retrouver dans un pays où je suis minoritaire, où mon voile, c'est clair que dans un pays musulman, ça ne va pas intriguer. C'est un choix que j'ai fait, c'est un besoin pour moi d'être une femme qu'on ne regarde pas seulement sa beauté, mais qui est une femme, qui n'est pas une femme simplement pour le plaisir, mais qui est une femme qui réfléchit, qui a sa valeur dans cette vie. Et en Suisse, d'ailleurs, je lutte justement pour expliquer à mes employeurs, à chaque fois que je cherche un travail, justement d'expliquer que ce voile ne m'empêche pas de travailler, d'être comme toutes les femmes, d'être compétente aussi. Revenons au dialogue interreligieux. Et j'aimerais savoir comment est-ce que fonctionnent ces dialogues. Quelles sont par exemple les expériences d'échanges interreligieux que vous connaissiez autour de l'MCDA et également de l'UVAM? Bon, il y a l'Arzilié, donc la maison de l'Arzilié, elle est plus ancienne et puis elle regroupe toutes les communautés religieuses. C'est une expérience pour moi qui est très riche. Il y a aussi des dialogues monastiques, le dialogue monastique à Saint-Maurice, entre aussi plusieurs communautés, mais c'est un autre cadre aussi de dialogue. J'étais à la base aussi de la création d'un groupe de femmes chrétiennes et musulmanes dans le quartier de Prélat. C'était une expérience aussi, on a fait des visites dans les écoles, on a dépassé le cadre justement de rencontres et de dialogues privés. On a voulu transmettre cette valeur du dialogue à une nouvelle génération, aux élèves des écoles, pour leur montrer que ça peut être, on peut cohabiter ensemble et on peut accepter l'autre dans sa différence. Safwan, merci beaucoup. On a ce soir une fête, vous fêtez les 10 ans de MCDA.
Et donc on se verra ce soir. Oui, merci beaucoup. Merci à ce soir. À ce soir. À ce soir, merci. Voilà les questions qu'il y a dans ce poste. Attends, alors attends. Pour les autres. Quel est le nom du livre sacré des musulmans? Le Coran. Le Coran, ok. Dans quelle ville l'apôtre Paul est-il mort? Je crois que c'était à Jérusalem. Aucune idée, moi. Il s'est pas fait décapiter, là? Je sais pas. Non, attends. Paul, attends, ça me dit. Vous avez une idée, les gars? Non, Rome, je pense pas. Moi, je dirais Rome ou Paul, moi. Moi, je dirais Jérusalem. Moi, j'irais Jérusalem. Bienvenue au poste 1. Dominique Vincent, vous êtes la responsable de l'activité d'aujourd'hui. Donc racontez-nous à quoi consistait cette activité. Alors on a organisé un rallye en mélangeant des jeunes musulmans avec des jeunes chrétiens, protestants et catholiques. Et puis on a fait des réponses. Il y avait deux questions, une sur l'islam, une sur le christianisme à chaque poste, plus des questions complémentaires à l'arrivée, de connaissances générales. Et puis voilà, tout à l'heure, on fera un petit classement pour le plaisir et puis on va leur distribuer un petit stylo à la marque de MCDA. Et d'où est née cette initiative ? Alors nous, c'était d'impliquer les jeunes dans le dialogue interreligieux, qui prennent l'habitude dès l'adolescence à rencontrer des jeunes musulmans, des jeunes catholiques, qui se mélangent entre eux, ils se voient en classe, ça c'est sûr, mais pas tellement en tant que religieux. Tandis qu'ici, ils se trouvent sous l'angle religieux, puis ils voient qu'on peut vivre ensemble pacifiquement. Et comment s'est passée aujourd'hui cette journée? Est-ce que vous avez ressenti justement que ces dialogues s'est créé entre les jeunes? Ah ouais, non mais c'est magnifique. Moi j'ai suivi un ou deux petits groupes comme ça pour voir si le rallye se passait bien. J'ai vu qu'ils réfléchissaient ensemble pour répondre aux questions. Il y a un musulman qui aidait à répondre sur une question chrétienne. Enfin c'est génial, voilà c'est ça qu'on veut. C'est exactement ça. Mathieu, protestant. Yann, protestant. Alexandre, protestant. Arnaud, protestant. Adrien, catholique. Sullivan, protestant. Météane, religion. Ah, j'ai oublié, attendez. J'ai fait un peu de musulman, voilà. Semi-musulman. Cédric, protestant. Et vous connaissez d'avant ou c'est la première fois que vous êtes ensemble? Non, il y a quelques personnes, on se connaît ensemble, mais certaines, on ne connaît pas, non. On vient de se faire une amitié. Alors, moi, protestant, catholique. Catholique là, montre. Rien. Oui. Passe-moi le crayon. Que doivent faire les musulmans avant d'effectuer leur prière? Se laver les mains? Non. Faire non. Ça. Je dis pas que ça va créer forcément des amis de toujours, mais ils se sont rencontrés. Ça fait rien. Ils vont se connaître, ces jeunes un peu de la broie d'ailleurs. Ils vont peut-être se retrouver un jour aux études ou quand ils seront dans la vie professionnelle ou la politique ou autre chose. Et ils sauront qu'ils ont vécu quelque chose ensemble. Hein, c'est une atmosphère d'amitié et de dialogue qu'on crée. C'est ça qui est important. C'est pas juste parce qu'il y a des musulmans et des chrétiens que c'est différent. On est tous des personnes. Ouais, je trouve qu'il n'y a pas une grande différence quoi, entre les deux religions. Enfin, question de l'amitié, quoi, je veux dire. Le dialogue, c'est une exigence, c'est-à-dire qu'il faut faire le mieux possible pour qu'aujourd'hui le dialogue se généralise, parce que malheureusement, il est encore élitaire, ce dialogue. Et ça, c'est notre travail en tant que groupe, c'est d'essayer avec des petits pas. Et c'est déjà pour nous quelque chose de motivant et qui nous donne de l'espoir pour l'avenir.
La consigne pour se présenter est d'exprimer en trois mots-clés ce que signifie pour moi l'importance du dialogue islamo-chrétien. Trois mots, je dirais, paix, paix, paix. Paix ici, on parle des minarets, burqas, cimetières, piscines. Paix là-bas, je ne peux pas intervenir au Proche et au Moyen-Orient. Mais j'ai la devise, pense globale, agis local. Nos trois grandes religions viennent du Dieu d'Abraham, Ibrahim. Nous devons faire la paix autour de lui. Et le troisième mot, la paix de Dieu, pour établir la paix confessionnelle entre nos communautés. Mamalinke, mamalinke, sofa bambo bamtae. Le moment où on a annoncé notre mariage, où on a dit au village qu'on voulait se marier, on avait déjà fait tout un chemin avec les gens du village, avec la communauté là-bas. Et puis effectivement, moi au début, quand je suis arrivée dans le village, il y avait très peu de blancs qui étaient venus dans ce village. Donc les personnes aussi avaient des idées par rapport aux blancs. Il y a des grand-mères qui avaient peur, elles partaient dans la forêt quand elles me voyaient. Mais petit à petit, vraiment, elles ont vu aussi que, voilà, que j'étais une personne qui pouvait m'adapter chez eux. Il y a la peur qui est tombée. Et puis dès le moment où on a annoncé vraiment notre mariage, moi j'étais impressionnée vraiment et très touchée par l'ouverture. Parce que c'est vrai que... Même peut-être un peu comme ici, les villages c'est souvent un peu plus fermé, un petit peu plus difficile à s'ouvrir à des choses différentes. Et puis là, particulièrement les anciens, on a parlé de son grand-père, mais aussi d'autres personnes, d'autres vieux dans le village, ils nous ont vraiment soutenus. Et ils ont tenu à dire à toutes les personnes du village qu'on allait vraiment se respecter l'un l'autre et respecter la religion de l'autre. Mindalo Banta, Mindalo Banta, ah, Mindalo Banta. Il y a des personnes dans le village qui imaginaient, vu que moi je suis la femme, j'allais me convertir, devenir musulmane. Et puis ce sont les chefs religieux qui ont vraiment tenu à dire c'est important qu'ils respectent chacun la religion de l'autre et puis qu'ils avancent comme ça ensemble. Ouais, ça c'était une partie très très importante dans notre annonce de mariage. C'était vraiment très important parce que les personnes âgées, les notables du village ont fait comprendre aux villageois que ce qui est important, c'est l'homme, la personne, l'être humain. Donc, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur, ce qui est important, c'est l'être humain. Donc, pour eux, ils acceptent. Ils m'ont conseillé, ils m'ont dit ouvertement devant tout le monde, respecte Estelle et n'essaie jamais de la persuader pour qu'elle devienne musulmane. Ce n'est pas ton rôle. Et ils ont dit à Estelle, toi aussi respecte Lamine et n'essaie pas de l'attirer dans ta religion. Mon grand-père m'a confié, il m'a dit, c'est pas forcément vouloir amener quelqu'un dans ta religion qui fera que tu aimeras cette personne. Avant la religion, c'était d'abord les hommes, les êtres humains. La maison de l'Arzillier est une maison familiale dont le propriétaire a eu l'idée de donner pour le dialogue. C'était un homme qui avançait en âge, qui était sans enfant, Monsieur Lévrat, qui était notaire, et qui voyait cette maison comme un lieu où des juifs, des chrétiens, des musulmans puissent se retrouver pour dialoguer.
En fait, on parle de quelle année hein? On est, on est dans les années 95-96. L'association a été créée non seulement par des personnes de l'Église réformée, mais évidemment bien sûr aussi, et par des personnes mandatées par l'Église catholique romaine, par les autres églises chrétiennes, et aussi par d'autres communautés religieuses présentes dans le canton, à savoir des personnes issues de l'islam et du bouddhisme et de l'hindouisme et de la tradition bahaï et bien sûr de la tradition israélite. Une fois cette association créée, il a fallu imaginer des activités, imaginer des événements, imaginer des conférences à plusieurs voix. Les conférences à plusieurs voix ont lieu jusqu'à aujourd'hui, elles ont eu lieu depuis 15 ans à peu près, sur des thèmes très divers qui touchent la société mais qui peut toucher une question plus intime à la religion, comme la question par exemple de la prière, ou des questions très concrètes comme la question encore d'actualité aujourd'hui des cimetières et des parties musulmanes pour des cimetières. La foi est l'acceptation par le cœur, l'attestation par la langue et l'action par les membres du corps. Ce sont des personnes qui se réunissaient à l'Arzillier, qui un jour ont créé le groupe, le premier groupe musulman chrétien pour le dialogue et l'amitié, se disant après les attentats du 11 septembre qu'il y avait là quelque chose à faire de particulier, de spécifique. Et puis l'Arzillier a aussi, depuis 4 ans maintenant, mis sur pied la Semaine des Religions. La Semaine des Religions qui permet à différentes communautés religieuses dans le canton, notamment d'ouvrir leurs portes et de se rencontrer. Quel est mon rapport à la vérité et en l'occurrence, comment est-ce que je réagis lorsque l'autre apporte sa vérité qu'il considère comme la vérité? Mon souhait, c'est que j'aurais voulu voir plus de femmes. Quelle est la place de la femme dans différentes religions que vous avez présentées? Et le chrétien que je suis, comment réagirait-il à la question sur quel est le plus grand commandement? L'envie de dialoguer n'est vraiment pas évidente. Parce qu'on est dans une société où au fond, peut-être que l'attitude première, c'est de dire tout le monde a sa place, mais au fond, on ne s'intéresse pas tellement à l'autre. Alors que dans le dialogue, il y a une exigence. C'est peut-être ça qui retient certaines personnes. Il y a une exigence de faire un pas vers l'autre et d'accepter qu'il fasse un pas ou qu'elle fasse un pas vers moi. L'Arzillier essaye de mettre ensemble des gens pour qu'ils se connaissent mieux. Au fond, c'est très simple. Mettre ensemble des gens pour qu'ils se connaissent mieux. Et s'ils se connaissent mieux, une confiance se construit et la peur diminue. La peur de l'autre en tant que différent diminue. Allahu Akbar. Allahu Akbar. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Depuis 2007, nous faisons ce qu'on appelle les ramadans portes ouvertes. L'idée, c'est d'ouvrir la maison à des non-musulmans pour qu'ils viennent voir comment une famille musulmane vit le ramadan en Suisse romande et pour casser un peu les clichés qu'il y a derrière, cachés chez certaines personnes. Ash'hadu anna Muhammad Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله Le ramadan, c'est un mois. C'est le mois pour nous de la générosité, c'est le mois du partage, c'est le mois de l'ouverture et c'est le meilleur moment pour ouvrir, s'ouvrir aussi à l'autre et partager avec l'autre un repas et autour de ce repas, partager ce qu'on a en commun et pas seulement parler de ce qui nous unit, pas seulement de nos différences. Le jeûne est fait justement pour qu'on puisse rééquilibrer un petit peu notre rapport entre la matière et l'esprit, entre le spirituel et le temporel. Pourquoi est-ce que vous êtes ici à ces portes ouvertes entre les musulmans et les chrétiens?
Alors, peut-être première remarque, je ne suis pas chrétien, je suis juif. Donc, il n'y a pas que des musulmans et des chrétiens, il y a aussi des juifs. En fait, je connais Nesra Dressi et ça fait plusieurs années qu'elle nous dit de venir. Et voilà, je suis venu par intérêt pour voir un peu comment ça se passe. Vous avez appris quelque chose, ça, j'ai appris, justement, c'est le pourquoi du Ramadan et le pourquoi de ce mois de spiritualité pour se ressourcer. C'est un peu l'idée de nos amis musulmans, de se ressourcer dans un mois et de repenser aux autres. J'aimerais seulement demander à ceux qui ont bien mangé de faire une toute petite minute de silence et un temps de prière à l'attention de ceux qui, aujourd'hui, par millions, meurent de faim dans certaines régions comme la Corne d'Afrique, le Kenya et ainsi de suite. Merci. Nous souhaitons savoir, qu'est-ce que vous travaillez ici aujourd'hui? Il y a deux parties. Une, c'est une conférence des académiques sur la thématique migration et développement. Puis l'autre, c'est la partie de la société civile suisse qu'on a travaillé ensemble sur des recommandations qu'on voudrait aussi présenter pendant le grand forum qui aura lieu en décembre. Et des questions fondamentales comme les droits humains, qui doit être respecté aussi pour les migrants, ça c'est une question aussi mondiale, internationale. Évidemment, ça c'est la base, ça joue à tous les niveaux. Ça c'est la base générale, puis là-dessous, je dis, il y a tout ce qui est la migration globalisée qui doit jouer sous le chapeau des droits humains. Mais le problème, c'est un peu de respecter seulement les droits humains, c'est une chose, mais de vraiment la mettre en pratique. C'est là où vraiment ça prend du temps de pas seulement dire oui, on les respecte, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment avec? Ça, c'est le plus important de finalement toute cette discussion. Il y a quand même un sujet, il y a un être humain. Et puis, à partir de mes constats, il y a quand même cette maltraitance, cette souffrance de vivre dans l'extrême précarité à Genève. Et puis, les femmes qui viennent former, qualifier, et puis c'est comme un blocage qui reste là, un stop. C'est-à-dire, après avoir fait des études, des différentes études à niveau universitaire, il vient à travailler dans le secteur domestique dans l'extrême précarité. Ce que nous avons décidé dans le groupe, c'est de poser un constat, de voir un fait. Et le fait, quand on dit migration, ça veut dire, et nous tous nous le savons, émigration, immigration et tout ça. Mais on n'a pas besoin d'aller dans le détail. C'est pour ça que nous posons seulement le concept. Migration et développement discutent avec les questions de l'État et du territoire, ou du pouvoir. Le papier même maintenant qu'on est en train de travailler avec la société civile suisse sera une partie qui sera prise en compte dans les recommandations de la société civile globale. Avant le Global Forum qui est à niveau des États, il y a 2 jours pour la société civile où on va travailler un document qui est pour la société civile globale. Maintenant, en ce moment, on est seulement avec les organisations de la société civile suisse. Alors, ça ouvre un peu. Pour nous, c'est un input que nous, on va faire. Puis, le global, finalement, va être reflété ou bien discuté avec les gouvernements pendant le Global Forum. Pour ceux qui ne comprennent pas très bien, quand on parle des sociétés civiles, de qui est-ce qu'on parle? La société civile, ça peut être organisé. Nous, ici, on est surtout des organisations, ça veut dire des personnes qui ne travaillent pas sous le gouvernement, pas directement liées. Ça peut être le secteur civil, ça peut être l'académie, mais la société civile, ce sont aussi des personnes privées qui sont intéressées de discuter des thématiques. Est-ce que les migrants y participent aussi? Oui. Les migrants y participent aussi. Il y en a maintenant beaucoup qui sont aussi ici en ce moment. Il y a des migrants qui se sont formés en groupe, qui se sont organisés. Ce sont des organisations de migrants. Pour continuer à favoriser ce dialogue entre les différentes confessions, les croyants et non-croyants sont invités à participer à la grande semaine suisse des religions qui aura lieu du 6 au 12 novembre prochain dans les principales villes de la Confédération. D'autre part, nous sommes ravis de vous présenter notre nouveau site internet
www.carrefourtv.net, les médias multiculturels par excellence, où vous trouverez les dernières vidéos et articles d'actualité, l'agenda culturel, nos émissions et bien sûr toutes les informations sur la vie multiculturelle en Suisse romande. Comme toujours, un grand merci pour votre fidélité. On se retrouve les mois prochains sous votre télévision locale. À la prochaine et à la vista. Feeling good, feeling good.